Salut à tous, Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Alors, je vous fais cette vidéo parce que j'avais bien aimé la vidéo que vous avez faite sur le 130-900 sur EQ2. J'aimais bien le format. Je me suis dit que j'allais le refaire avec d'autres télescopes. Donc, je commence par ici le Dobson 254-1200 de Skywatcher. Donc, première chose, on vient placer le socle. Oh, ma petite chatoune, elle est trop mimi. Vous avez vu Noiraude? Elle est juste au taquet. Elle joue avec solfège et donc on vient placer le socle, on vérifie qu'il soit bien stable, on vient placer le tube, on vient mettre les poignées. Alors il y a deux poignées, il y en a une avec des écrous, c'est celle qui va faire la poignée de pression, et il y a celle qui vient faire la poignée de serrage. Alors en fait je l'ai mis à l'envers dans la vidéo. C'est pas grave, mais en tout cas, généralement, donc la poignée de pression, c'est celle qui va venir se placer au plus proche du porte-oculaire. Donc, c'est celle qui va venir vous serrer, que vous allez serrer et desserrer pour faire en sorte que votre tube ne bouge plus au moment où vous changez d'oculaire. Alors, première chose que je fais dans ma vidéo, après avoir installé l'instrument, je vais vérifier ma collimation. La collimation, c'est le réglage du miroir primaire et secondaire. Ici, je ne fais que celle du primaire. J'avoue que celle du secondaire serait effectivement à refaire. Donc, je vais jouer avec mon jeu de vis qui est en dessous du tube. Il y a donc trois fois deux vis. Il y a les petites vis, ce sont les vis de serrage. Il y a les grosses vis, ce sont les vis qui vont vous permettre de régler, de pousser votre miroir de manière justement à le régler. Donc je viens dévisser mes petites vis pour après régler les grosses. Et quand j'ai fait ma collimation, eh bien je viens serrer le tout. Alors je vous montre là un petit visuel de ce que l'on voit. Donc j'utilise l'oculaire de collimation, le Cheshire, ou Cheshire, je ne sais pas si vous le dites à l'anglaise ou à la française. Donc là voilà, vous voyez que je joue avec les vis de collimation, donc les vis de réglage. On voit que je vais à droite et à gauche, donc voilà, je vais le centrer. J'ai mon petit point noir qui va se mettre dans l'œilleton qui est au fond du miroir primaire. Et quand c'est réglé, je viens serrer toutes mes petites vis de serrage, tout simplement. Alors simplement, pas tant que ça, ça m'est déjà arrivé de faire des bonnes collimations, ça peut me prendre une bonne demi-heure. Mais du coup, généralement, je le pose dans l'atelier et je prends le temps de bien collimater. Ça m'est déjà arrivé aussi de refaire les secondaires, de tout dévisser, de les remettre. Quand j'ai vérifié ma collimation, je viens régler mon chercheur. Alors le chercheur, ici le chercheur pointeur rouge, dans un premier temps, je vous montrerai, j'utilise aussi 9.50 juste derrière. Donc c'est quand même un chercheur que j'utilise avec tous mes télescopes au final. Elle a beaucoup plus pratique en pleine nuit avec le petit point rouge en mode sniper et tout, tout. Génial. Je viens placer mon oculaire de 25 mm. Je prends l'antenne des voisins. D'ailleurs, on le voit, regardez, oh, une antenne! Alors ça, c'est mon point de repère. Alors, j'ai pas d'astre, j'ai rien à 500 mètres. Donc, en fait, je prends l'antenne parce que elle se démarque. Il n'y a qu'une seule antenne. Donc, c'est assez pratique. Et quand j'ai trouvé l'antenne dans l'oculaire, je viens régler le chercheur. Il va vous permettre, ce chercheur, d'accélérer, d'être plus rapide sur votre recherche. Le soir, lorsque vous allez chercher un astre du ciel profond, le chercheur va vraiment être un excellent atout là, pour vous orienter. Là, ici, je mets le 9x50, c'est le chercheur qui est fourni avec, de base, avec le Dobson 250. Voilà, on enlève les caches. On voit qu'il y a toujours mes petits chats qui jouent dans le jardin d'à côté. Alors, j'ai ajouté un peu de poids, alors je viens vérifier que l'antenne est toujours au centre de mon Dobson et je viens régler. Après, je vérifie donc, il n'est pas du tout centré. On va pas croire. Donc, l'objectif, c'est de jouer avec les deux petites vis. Alors, moi, j'appelle ça les petites antennes, je trouve ça mignon, parce que ça fait vraiment antenne de petite extraterrestre. Et donc, je joue avec les deux petites vis pour régler l'antenne au centre de mon chercheur. Et quand le chercheur est réglé, je peux aller pointer. Alors, c'était l'observation, je l'ai faite le 24 mars 2021. La Lune était déjà présente à 18h. On était en lune gibbeuse. Voilà, donc là, ici, avec le chercheur pointeur rouge, mais je l'ai pointé et on voit que ça centre. Et donc, j'ai la Lune qui est dans mon oculaire.
plutôt pratique. Ça change rien avec le chercheur 9x50 ou chercheur pointeur rouge. L'essentiel, c'est que ce soit bien centré. Et si vous avez effectivement bien réglé votre chercheur, ce sera plus facile. Alors, parfois, souvent, mes clients me disent « mais c'est flou ». En fait, c'est parce qu'ils ajoutent le tube à longe. Voilà, et donc, en fait, votre pointe focale ne peut pas se faire. Donc, si c'est flou, ce n'est pas forcément la mise en température ou la collimation. C'est probablement que vous avez ajouté cet accessoire, le tube à longe, que l'on peut utiliser avec d'autres oculaires. Mais là, avec le 25 et le 10 mm, qui sont les deux oculaires fournis avec le télescope, on n'en a pas besoin. J'interchange. Ici, je place le 6 mm en 66 degrés de Skywatcher. Donc, en fait, j'ai centré ma lune avec le 25 et j'interchange, tout simplement. Et là, on voit le grossissement. C'est beau, hein, avec le 6. On ne se lasse pas des cratères de la Lune. Moi, je m'en lasserai jamais. Alors, c'est vrai que le visuel est facile. Hein, voilà, c'est fait avec l'appareil photo, enfin, c'est fait avec le téléphone portable. Hein, donc, c'est vrai que comme elle est très lumineuse, c'est assez pratique. Et voilà, comme j'ai fini mes observations, j'ai surtout fini la vidéo, et il est temps de ranger. Donc, je mets les accessoires de côté. J'enlève l'oculaire que je vais remettre dans la petite valise d'accessoires. Je viens remettre le cache. Je dévisse mes poignées. Et de une. Et de deux. Et je viens prendre mon tube. C'est quand même un beau bébé, hein, 250, c'est 26 kilos. Je le sors pas tous les soirs. Ça me prend quand même un petit peu plus de temps. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de mise en place particulière. Voilà, on pose, on pointe. Ça nous apprend à connaître notre ciel aussi, après, voilà. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous laisse avec un petit visuel de la Lune et je vous dis à bientôt. Salut, salut!